aux gens de voir ce qui se fait un peu sur la scène internationale, de rencontrer des amis ou des collègues et voilà, de pouvoir échanger parce que notre métier, faut oublier que c'est un métier de partage. On a pu lentement et tout en mélangeant de temps en temps. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de four, donc je vais le faire en direct. Forcément, quand on crée, il y a des histoires à raconter. C'est le moment justement de partage, je trouve. Les personnes qui présentent, ils ont des techniques à montrer, ils ont des pensées justement à partager. C'est pour ça justement que le salon il peut exister, qu'il doit exister. On apprend partout, ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de rencontres, on peut faire beaucoup de rencontres avec les chefs, avec tout le monde. Découvrir des nouvelles techniques, toujours un peu plus de culture culinaire, je dirais. Est-ce qu'il est encore possible de créer en pâtisserie le goût facile? Professionnelle, oui, je suis restauratrice et je viens chercher du dynamisme et de la créativité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. L'action est dans le dynamisme et vraiment de la créativité. Les produits Louis-François vont nous apporter des adjuvants qui vont dans le sens de la créativité. Aujourd'hui, les produits Louis-François, ça évoque dans le domaine de la pâtisserie énormément de textures, de produits qu'on utilise pour la fabrication des gâteaux, des entremets, etc. Moi, ce que je cherche à faire avec les produits Louis-François, c'est utiliser des recettes qui existent depuis des dizaines d'années, mais changer de cadre de référence et les utiliser en salé. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple d'une recette qu'on vient de réaliser, qui est le calisson, et je vais utiliser la fiche technique, donc l'hostie, la pâte, le glaçage, et à partir de là, j'utilise 4-5 produits Louis-François dedans. Donc on met de la carotte, on met du sel, on met de la coriandre, on met du gingembre, on met du curry, on met du curcuma, et on se fait un petit mélange comme ça. Et dessus, par contre, on utilise la coco Louis-François pour pouvoir faire ce glaçage de 2 mm qui va radoucir ce côté condiment. Le croquant, on le récupère avec une chips de carotte trempée dans de l'isomalt qui permet d'avoir une brillance et apporter un peu de hauteur et de faire comme si c'était un petit amuse-bouche. Une feuille qui va apporter de l'acidulé et la fleur qui est du pois. Donc tout ça va apporter des saveurs complémentaires. Voilà, madame, on n'a plus qu'à manger. Les produits Louis-François aujourd'hui vont permettre aux cuisiniers d'ouvrir des portes vers des horizons nouveaux et différents. Donc nous, on est juste un fil conducteur, on est juste des gens qui vont donner une inspiration au même titre que le marché de fruits et légumes va donner des inspirations aux chefs. Quand on dépose dans le bain d'alginate, il y a une fine pellicule qui se pose dessus. Il ne faut pas la laisser très très longtemps dedans parce que plus on la laisse à l'intérieur du bain d'alginate, plus elle durcit. Donc on a recréé l'œuf en version mangue.